Coach Xan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Turmoil. Donc Turmoil qui est un petit jeu indépendant, Turmoil c'est un jeu de pétrole. C'est simple, tu es un connard de requin qui cherche du pétrole. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Directement, oui. Waouh. Sont stylés les personnages comme ça là, hein. Enfin... Quoique, ouais, non, hein, on va prendre le début avec Joshua, parce que Joshua c'est mon préféré, hein. Parce que les autres en même temps je les aime pas, faut dire. Et on va aller à Fertiland directement, parce que voilà, ah merde, d'accord, il faut... Tu peux pas faire une partie indépendante, attends. Ah ouais, non. Ah oui, non, voilà, single game, je suis con, moi. Donc voilà, Fertiland, et puis play, voilà. Donc c'est parti, on va faire directement, pas un scanner, non. Tac, voilà, deux petits bonhommes. On va les faire chercher le pétrole. Lui, il en a trouvé. Alors, c'est parti. Tac, tac, tac. Supposons. Merde. Je l'ai raté, je l'ai raté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais un tuyau ou... Je refais un tuyau. Ok, il y en a un nouveau qui a trouvé. Tac. On va partir à 180$. Voilà, on va en mettre d'autres. Non, bon, toi tu peux partir, voilà. Génial. Et donc, je peux... Ah oui, je peux directement améliorer les machins. Merde. Non, ça va. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais plus assez pour m'acheter des wagons. Tac, on va vendre de ce côté-là. Donc voilà, Turmoil, c'est un petit jeu indépendant, très sympathique. Où le but c'est de faire rentrer le pognon, hein, pour éviter de continuer d'arnaquer éternellement les abonnés. Donc faire rentrer un petit peu de pognon et puis pouvoir riche et avoir une piscine en plus du palace, quoi. Enfin, voilà. Je pense qu'on peut pas expliquer mieux que ça. Je vais partir encore comme ça là. Merde. Ah oui, d'accord, il est là le bazar. Oh putain, je suis encore parti trop loin. Bah j'en refais pas une là. 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 Bah. Ah ouais, d'accord, on peut pas. Ah non, là, je suis bête, voilà. Faut juste faire ça. Donc voilà, et puis on va continuer d'en engager parce que ça marche bien. Hein. Voilà. Faisons rentrer la thune. Ouais, c'est toujours plus cher par là. Et voilà. Et donc on est parti sur une petite partie bien pépère. Ah non, je suis bête, je vais plus faire un scanner. Tac, on va faire un petit scanner et envoyer une taupe. Pour voir à peu près où ils sont. D'accord, donc ici c'est là. On va pouvoir directement envoyer un truc. Les scanners sont bien pratiques parce que ça permet de scanner une certaine zone et puis de voir où est-ce qu'on a. Et la taupe, en fait, ça va fouiller un petit peu au pif. Donc, au final, oui, c'est plutôt pratique. Elle est pépère, on va engager des chevaux. Et tous les mettre à vendre. C'est quel côté le plus rentable? Je suis là maintenant. Voilà, et donc le but de jeu c'est de trouver, enfin d'aller à chaque côté qui est le plus rentable et puis voir un petit peu, bah nickel, j'ai directement trouvé. Lui là, il y a autre chose par là? D'accord, directement là, ok. Voilà. Comme ça, ça se sera fait. J'ai évité de reconstruire une pompe pour rien. Voilà. Et tac, on continue de mettre des wagons toujours. Hein. Donc c'est un petit jeu indépendant sur Steam. Hein. Il est vachement sympathique. Il s'est amélioré pas mal hein, depuis le temps, je pense. Il s'est bien amélioré quand même. Ah oui, c'est vrai, il y a cette machine-là, là. Bon, je vais envoyer directement là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il remonte lui? Il remonte tous les deux. Bah cool. On va attendre de voir qui est le plus cher et qui prend vraiment le dessus.
ça m'a l'air d'être un gros tuyau, donc on va miser gros dessus, écoutez. On va directement miser gros dessus. C'est bon, il y a 7 chevaux, on va quand même en rajouter. Quand même tout remettre de l'autre côté en même temps. Voilà, ça va bien rentrer le pognon quand même. Voilà, c'est celui-là que je voulais améliorer en même temps. Comment ça, celui-là il repart vers le bas? Ah merde! Trop de wagons, enfin pas assez de wagons justement. Allez les gars, on va améliorer les wagons en même temps. Peut toujours être pratique. Il y en a un qui vend, qui fait rien, faut dire, donc voilà. Allez. Allez, allez, les gars. Ah oui, il trace. Truc, il trotte vite, hein. Il trotte vite. Il nous reste combien de temps? Je crois que ça se finit... Je sais pas quand ça se finit en fait. Je sais pas du tout quand ça se finit. On va engager deux petits bonhommes. On va engager deux petits bonhommes et attendre que ça se passe, hein, écoutez, parce que une fois qu'on a trouvé le bazar, que ça rentre plutôt bien. Non, pas ça. Je veux un scanner, moi. Bon bah ici il n'y avait rien. Ah si! On va améliorer ici. Ah d'accord, il y en a directement deux là. Cool. Donc si on veut rétrécir, il n'y a pas moyen de le rétrécir. Ouais, il n'est pas trop le coup celui-là. D'accord, il y a celui-là en même temps. Bon. Bah on va faire avec hein. Je vais regarder si celui-là est bientôt fini. C'était quand même un sacré filon. Ouais, ça il est fini. Bon, je vais regarder par ici s'il reste pas quelque chose. Par ici aussi. Si, yes. Ici non. Ici non. Non. Bah il reste plus grand chose en fait. Ah ici il a l'air gros le filon. On va quand même renvoyer un deuxième sur le truc. Bon ici ils y sont. Ici on va en refaire partir un. Non il n'y a pas besoin. Ils sont trop petits pour qu'on se donne de la peine. Bon pour que ça parte plus vite quand même au cas où on va la remettre des gros. Voilà. Et celui-là aussi, il va repartir là. Oh, ça a formé des trucs bizarres ici. Ah mince, il va falloir que j'améliore celui-là. C'est là, voilà. Comme ça, on les améliore et ça passera mieux. Yes, nickel. Allez, c'est tout bon. Pourquoi il chope des trucs, lui? Au moins, on n'est pas contre, hein. On n'est pas contre. Ouais, non, c'est toujours lui le plus cher, ça va. Ça va, ça va. Il bosse bien, il bosse bien. Celui-là. Alors, voyons, voyons voir. Si on met un zonard ici. Ah bah il est bientôt fini, il est bientôt fini. Et celui-là. Celui-là on va pouvoir lui renvoyer dessus. On peut pas les détruire? Non. Qu'est-ce que...
Ah, d'accord, il envoie... Il lui pompe son bazar. D'accord, en gros j'aurais rien eu besoin de faire, il aurait juste fallu que j'améliore celui-là. C'est bête. C'est dommage, c'est dommage. Tant pis, hein. Voilà. Je pense qu'après on va s'arrêter ici, hein. Ça fera un petit machin de 10 minutes, un petit épisode indépendant. Petit machin tout seul. Enfin bon, c'est tout bonus après tout, hein. C'est du bonus. C'est du bonus en plus de la quotidienne, donc voilà. Bon. Plus de thunes. Tiens, encore un peu de thunes. Un peu de thunes, voilà. Allez pépère, on peut pas finir. Bah stop level, voilà. Ils nous ont manqué une. Dommage. On les apprécie tout tu, hein. On les apprécie tout tu. Les graphiques. Bon c'était bon, bon, on commence forcément, il y a une petite perte, mais après au final. Là au final c'était bon quand même, hein. Eh. Money. Voilà. Ouais non c'est pareil. C'est le profit, money, gaspillage, gaspillage. Et un petit truc de gaspillage, what the fuck? Ça je sais pas ce que c'est par contre. Ah ça c'est comment j'ai vendu je pense. Pige pas tout. Mais voilà. Bon écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo indépendante vous aura plu. Je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. De prochaines vidéos, tout ça. Ça vous va? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ciao!